L'important, c'est de commencer à gagner des matchs. Ce soir, on performe bien au premier tiers. On n'a pas fait un bon deuxième tiers, mais on est revenu en troisième période. Ce qu'on n'a pas fait samedi à Lyon, on a donné l'avance de deux buts et puis après ça, on s'est défoulé. Ce soir, on s'est battu jusqu'à la fin et puis on a montré beaucoup de caractère ce soir. Là, vous êtes passé par tous les états, hein, parce que vous avez même été mené 4-3. Hein. Ouais, c'est ça, on menait 3-0. Après ça, on prend des pénalités. Ça coûte cher les pénalités, on le sait. Et puis on perd 4-3, mais on s'est dit dans le vestiaire qu'il fallait travailler en troisième période, travailler fort puis aller chercher la victoire. Puis c'est exactement ce qu'on a fait. Bon, c'est une bonne préparation avant d'accueillir Gap samedi? Oui, c'est ça. On le sait, le championnat est vraiment fort cette année. Chaque match est important et puis on va se préparer pour samedi dès demain matin. Qu'est-ce qui reste encore à améliorer? Ben, c'est tous les petits détails. Il faut continuer à travailler dans les petits détails et puis continuer à ne pas faire d'erreurs en zone nulle parce qu'on a quand même créé trop de turnover. Il faut corriger ça et puis on va être en place. Maxime Moisan et Charpentier ont été préservés. C'est ça, ils seront là samedi? On verra samedi. Je pense que tout le monde devrait être là samedi, mais on verra avec les docteurs et tout ça. C'était pas le match le plus facile. Bon, j'ai pas eu grand chose à faire en premier tiers. On a très bien joué défensivement. Et après, au deuxième tiers, on a commencé un peu à sentir la fatigue. On a pris deux buts en power play. Ça nous a fait douter. On l'a payé. Mais l'essentiel, c'est quand même qu'on a bien réagi au troisième tiers. On a gagné. Et puis bon, c'est une bonne préparation avant d'accueillir Gap samedi. Ça sera d'un tout autre calibre. Ça va être d'un autre calibre, c'est sûr. On vient de voir là qu'il était pas collé en son 6-0. C'est sûr que ça va être un autre calibre, mais on progresse de match en match. Le dernier match contre Lyon, on n'avait pas su réagir. Là, on a su réagir. Donc, on va continuer à avancer et ça va le faire comme ça. L'adversaire Strasbourg, là, c'est un adversaire qui est également en phase de rodage, entre guillemets. Aussi, ils sont aussi en phase de rodage un petit peu comme nous. Il y a eu pas mal de pénalités des deux côtés. Il y a eu leur coach qui rentre au vestiaire un peu avant la fin du match. C'est pas forcément l'équipe la plus belle à avoir joué, mais ils travaillent fort et je pense qu'ils vont en surprendre plus d'une quand même cette saison. Bon, j'en reviens à Gap qui sera le match le plus important samedi. Gap, champion de France en titre. Encore un bon recrutement. Ça va être assez délicat à négocier. Ça va être délicat, mais enfin on sait que de toute façon, y a pas, qu'on joue contre Gap, contre n'importe quelle équipe, il n'y a pas de match facile. On sait ce qu'on a à faire, on a encore 3-4 jours pour travailler, pour bien préparer ce match-là. Et de toute façon, il n'y a rien qui est facile. Si on veut gagner, il va falloir travailler, il va falloir être solide. Et on va continuer pour que ça se passe comme ça. Comment t'as senti les défenseurs là devant toi? Bien, c'était un peu particulier parce qu'on était 4 défenseurs, il manquait Max Moisan, il manquait Thomas et il manquait Martin Charpentier. Ça a été très bien au premier tiers, au deuxième tiers avec les pénalités, on a senti un petit peu la fatigue, puis tout le monde s'est bien repris, donc non, la défense progresse bien comme l'ensemble de l'équipe.
Et puis il y a eu un petit trou dans le deuxième quart-temps, mais surtout la réaction de l'équipe au global, d'être revenu, après s'être fait prendre 4-1 dans le deuxième quart-temps, d'être revenu au troisième quart-temps et puis d'avoir gagné ce match parce qu'on avait perdu samedi et c'est une bonne réaction d'équipe tous ensemble. C'est bien, ça a montré qu'on avait du caractère et bah, qu'on laissait pas tomber quoi. Avec un but de retard, c'était le moment, on n'avait pas beaucoup de défenseurs. C'est une bonne preuve de cohésion et puis qu'on lâche jamais un quoi. C'est important de débloquer le compteur victoire aussi, pour le mental. Encore plus. Bah pour le mental c'est important, c'est toujours plus facile de travailler dans la sérénité quand il y a des victoires que quand il y a des défaites, c'est certain. Bon, défensivement il y a encore quand même des petits réglages, vous manquez de défenseurs de métier c'est sûr, mais il va falloir trouver des solutions pour pas encaisser 4 buts dans un tiers à chaque fois. Ouais, bah c'est tous ensemble qu'on doit travailler ça, et puis je pense que c'est un travail des 5 joueurs qui sont sur la glace, qu'il y ait une bonne communication pour travailler tous ensemble, et puis avec le temps c'est sûr que ça va s'améliorer quand on va récupérer des défenseurs aussi, il faut pas le nier, il manque des bons joueurs et ça va nous aider à nous améliorer sur ce point-là. Sur le plan individuel, tu te sens comment? Tu prends tes marques petit à petit? Ouais, bien sûr, c'est un nouveau club, une nouvelle stratégie de jeu, donc faut prendre son temps, faut s'adapter le plus vite possible, mais petit à petit je gagne en confiance et avec mes partenaires de ligne et les autres, peu importe ce qu'on me demande de faire, je serai toujours présent, c'est important, on joue tous bien ensemble, je pense, on progresse à chaque match et il faut que ça continue dans ce sens-là. Gap.